Inch'Allah, on est arrivé, donc on va commencer. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On est arrivé au cours, ou bien disons à la partie 29 dans la lecture des fatawa, dans le livre Al-Ijabat al-Muhimma, fil mashakil al-Mulimma. Et on a terminé la section où on était en train d'expliquer la réponse aux gens qui appellent à qui appellent aux actes de terrorisme, qui font des actes d'attentats, suicides et des actes de terrorisme. Et le cheikh a expliqué que ces choses-là sont en opposition avec l'islam. Maintenant, on rentre dans un autre nouveau chapitre différent. Et le sujet, c'est au sujet de la foi, c'est-à-dire la question de la foi dans l'islam selon Ahlus Sunnah wal Jama'a, et la mise en garde contre Al-Irja et contre les Murji'a. Contre Al-Irja et contre Al-Murji'a. Al-Irja et Al-Murji'a, ce sont des noms qui désignent une secte parmi les sectes d'égarement et les sectes d'innovation qui ont dévié au sujet de la foi dans l'islam. Et ce sont des gens qui considèrent que les œuvres et les actions qu'on fait dans la religion ne font pas partie de la foi. Ils disent que la foi, c'est seulement qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Et nos actions, ça a par rapport avec la foi. Donc, peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, et peu importe qu'est-ce que tu fais pas comme obligation, ils disent que ça n'a aucun rapport avec la foi. Tu peux être le pire des pécheurs, et tu peux t'éloigner de tout ce que Allah t'ordonne et malgré tout être un bon croyant, hein, et des choses de ce genre. Donc ça, c'est l'égarement, et malheureusement il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont cette idée, parce que quand on les appelle à faire la prière ou quand on les appelle à faire quelque chose d'obligatoire ou de s'abstenir de faire un péché, ils disent al-iman fil qalb, la foi c'est dans le cœur, et ils utilisent ça comme une réponse ou comme un argument pour essayer de justifier qu'est-ce qu'ils font. Et pour dire, par exemple, que même si je fais des péchés, ça ne veut pas dire que je suis pas correct dans ma foi. Et même si je fais pas ce que je dois faire comme obligation, ça ne veut pas dire que je suis pas correct dans ma foi aussi. Donc ça, c'est une shubha de Shaitan et d'Iblis pour égarer les croyants, pour égarer les hommes. Donc la question qui a été posée au cheikh, parce qu'à notre époque, il y a beaucoup de gens qui débattent ou qui discutent au sujet de la foi. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans des innovations et dans des formes d'extrémisme au sujet de la foi à notre époque en particulier. Parce qu'il y a des groupes qui ont dévié dans les questions de la foi par rapport au takfir, hein, par rapport au fait de déclarer mécréant certaines personnes. Et ils ne savent pas la croyance de Ahl Sunna, des gens de la Sunna au sujet de la foi. Donc, il y en a qui ont dévié dans un extrême, il y en a qui ont dévié dans l'autre. Il y en a qui ont dévié dans la foi par rapport à la foi, comme par exemple les Murji'a, qui ont dit les actions ça fait pas partie de la foi. Puis il y a l'autre extrême, des gens qui ont considéré que depuis que quelqu'un commet un péché, il sort complètement de la foi. Il n'a plus de foi du tout. Donc ça, c'est l'autre extrême. Hein? Il y a ceux qui disent, peu importe qu'est-ce que tu fais, ta foi est toujours forte, même si tu fais des péchés, même si tu fais pas qu'est-ce qui est obligatoire. Mais il y a l'autre extrême qui disent, tu fais un péché, ça y est, c'est fini, tu fais un grand péché, tu sors de la foi complètement, tu n'es plus musulman. Et donc ça, c'est l'autre extrême à ce sujet-là. Et donc, le cheikh, maintenant, il répond à certaines questions qui sont qui tournent autour de ce sujet-là. Et le cheikh, on lui a posé la question, as-su'al, bima yakunu al-kufr al-akbar ou al-ridda, hal huwa khasun bil-i'tiqad والجحود والتكذيب أم هو أعم من ذلك. Donc ils ont posé la question au cheikh. Comment quelqu'un tombe dans le kufr akbar ou bien dans l'apostasie, dans le fait de tomber dans la mécréance ou dans l'apostasie? Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique ou particulier à la croyance, dans le sens que quand quelqu'un devient mécréant, c'est uniquement à cause de quelque chose qu'il a cru, ou bien qu'il a nié, ou bien qu'il a traité de mensonge dans la religion, ou bien c'est plus général et plus général que ça? Donc le cheikh, il a répondu à la question. Al-Jawab, et le cheikh, vous allez voir qu'il répond d'une façon vraiment,
il donne en même temps une nasiha aussi en même temps à ce sujet-là, pour donner aux musulmans une méthodologie dans la compréhension de ces questions-là. Et comment faire pour approcher ces sujets-là, pour éviter justement de tomber dans les égarements et dans des formes de déviation. Donc le cheikh, il répond, il dit, Al-Jawab, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. فإن مسائل العقيدة مهمة جدا ويجب تعلم العقيدة بجميع أبوابها وجميع مسائلها وتلقيها عن أهل العلم فلا يكفي فيها إلقاء الأسئلة وتشتيت الأسئلة فيها فإنها مهما كثرت الأسئلة وأجيب عنها فإن الجهل سيكون أكبر فالواجب على من يريد نفع نفسه ونفع إخوانه المسلمين أن يتعلم العقيدة من أولها إلى آخرها وأن يلم بأبوابها ومسائلها ويتلقاها عن أهل العلم ومن كتبها الأصلية من كتب السلف الصالح وبهذا يزول عنه الجهل ولا يحتاج إلى كثرة الأسئلة وأيضا يستطيع هو أن يبين للناس وأن يعلم الجهال لأنه أصبح مؤهلا في العقيدة. Donc le cheikh حفظه الله, il répond, بسم الله الرحمن الرحيم, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah le Seigneur des mondes, et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et sur ses compagnons. Et ensuite il dit que les questions de aqidah sont très importantes et il est obligatoire de les étudier dans toutes leurs différents chapitres des différentes branches qui ont rapport avec les questions de aqidah. Et toutes les questions de aqidah doivent être étudiées et apprises et prises des hommes de science, c'est-à-dire des hommes de science, de la science islamique, des savants de l'islam. C'est d'eux qu'on doit apprendre notre aqidah et c'est de eux qu'on doit prendre notre croyance dans chacun des chapitres et des différentes questions de la aqidah. D'accord? Le cheikh dit, c'est pas suffisant seulement de poser des questions séparées à ce sujet-là, sur différentes questions comme ça. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, parfois. Il y a des gens, des fois, ils débattent avec quelqu'un, ils ont des divergences d'opinion avec quelqu'un, chacun veut essayer de tirer la couverture de son côté pour défendre son idée personnelle ou sa croyance personnelle. Hein? Et donc il pose au cheikh une question pour essayer de défendre sa position et il pose une question bien spécifique ou limitée. L'autre va poser une question au cheikh pour défendre sa position qui est le contraire de la position de l'autre. Et donc les gens ils se battent comme ça les uns les autres parfois en posant des questions d'une manière pour essayer d'attaquer ou de toucher à un aspect de la aqidah pour défendre sa position par rapport à l'autre qui va prendre une position, une question qui va défendre sa position à lui. Et souvent c'est ça qui se passe entre les jeunes aujourd'hui, malheureusement, Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit c'est pas comme ça que tu vas prendre la aqidah, c'est pas que tu vas poser une question comme ça à gauche, une question à droite et éparpiller les questions de cette manière. Parce que le cheikh il dit peu importe le nombre de questions que vous allez poser et peu importe les réponses que vous allez recevoir, ça ne va faire que augmenter et agrandir l'ignorance. Ça ne va faire que augmenter et que l'ignorance va devenir plus grande encore. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire pour vraiment comprendre la aqidah et vraiment comprendre ces questions-là? Qu'est-ce qu'il faut faire comme obligation? C'est quoi? Il dit, l'obligation pour celui qui se veut du bien pour lui-même et qui veut du bien pour ses frères musulmans, c'est qu'il recherche la science de la croyance islamique du début à la fin, en passant par tous les chapitres et les différentes questions.
C'est pas juste tu vas aller voir le cheikh, tu vas poser la question sur un point parce que tu veux répondre à une question. Non, tu dois étudier ta aqida avec les ulama de l'islam du début jusqu'à la fin dans la aqida. Et tu prends ta aqida des ulama en passant de cette manière-là du début jusqu'à la fin dans les livres de aqida, comme le cheikh il le dit. Hein? Tu passes par tous les chapitres et toutes les questions et tu prends ça des hommes de science. À partir des livres de base, hein, et des livres, hein, de référence, parmi les livres des Salaf al-Salih, c'est-à-dire les livres de nos prédécesseurs. As-Salaf al-Salih, c'est-à-dire les prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés, parmi les Sahaba et les Tabi'in, et ceux qui les ont suivis jusqu'à aujourd'hui, parmi les grands imams de l'islam qui ont traversé l'histoire de la religion, l'histoire de l'islam. Donc le cheikh il dit, si tu suis cette méthodologie là, c'est comme ça que tu vas être capable d'enlever cette ignorance et tu n'auras pas besoin de poser plein de questions. Puisque tu vas étudier ta aqida du début jusqu'à la fin, ça va clarifier dans ta tête plein de choses. Et moi je me souviens au début quand je suis converti à l'islam, j'avais plein de questions séparées dans ma tête, toutes mélangées. Mais, wa alaykum salam wa rahmatullah. Pourquoi? Parce que j'avais pas étudié la aqida, j'avais rien étudié au début de façon spécifique et claire. Mais du moment que j'ai commencé à étudier le tawhid, et que j'ai compris le tawhid en étudiant les différents chapitres de tawhid du début jusqu'à la fin, la moitié, ou même plus que la moitié des questions que je me posais sont disparues du premier coup. Quand j'ai terminé de lire et d'étudier ces bases-là. Pourquoi? Parce que là, maintenant, j'avais, disons, une base solide sur laquelle je pouvais me reposer. Comme ça, je pouvais comprendre ma religion d'une façon globale. Hein? C'est pas juste que je posais des petites questions à gauche, à droite pour répondre à des problèmes que j'avais. Donc, c'est pour cette raison-là, le cheikh qu'il dit, c'est comme ça que tu vas éliminer l'ignorance et que tu vas être en même temps capable de clarifier aux autres la réalité de la croyance et d'enseigner aux ignorants, à ceux qui ne savent pas, parce que à ce moment-là, tu vas être apte et tu vas avoir les capacités nécessaires qui feront de toi quelqu'un qui est capable d'expliquer et d'enseigner la aqida aux autres. Hein? Et donc c'est ça qui est important de comprendre. Hein? Il y en a des jeunes aujourd'hui, Allah musta'an, ils n'ont jamais étudié la aqida de façon complète, du début jusqu'à la fin, en passant par les chapitres. Mais ils se concentrent sur un point dans la aqida et ils lisent des dizaines de livres sur cette question-là pour essayer de supporter leur idée. Et ils débattent avec des gens dans la rue, dans la mosquée, partout pour essayer de prouver leur point. Et souvent, c'est les questions qui ont rapport avec le takfir et la foi et des choses de ce genre. C'est des shubuhat, hein. Et ça, c'est dangereux de suivre cette voie-là. Donc, le cheikh dit par la suite, وَكَذَلِكَ لَا يُلْتَقَ الْعَقِيدَ عَنِ الْكُتُبِ فَقَطْ أَوْ عَنِ الْقِرَاءَةِ أَوْ الْمُطَالَعَةِ لِأَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مَسَائِلُهَا ابْتِدَاءً مِنَ الْكُتُبِ ولا من المطالعات وإنما تؤخذ بالرواية عن أهل العلم وأهل البصيرة الذين فهموها وأحكموا مسائلها فهذا هو واجب النصيحة أما ما يدور الآن في الساحة من كثرة الأسئلة حول العقيدة ومهماتها من أناس لم يدرسوها من قبل أو أناس يتكلمون في العقيدة وأمور العقيدة عن جهل أو اعتماد على قراءتهم للكتب أو مطالعتهم فهذا سيزيد الأمر غموضا ويزيد الإشكالات إشكالات أخرى ويثبط الجهود ويحدث الاختلاف لأننا إذا رجعنا إلى أفهامنا دون أخذ للعلم من مصادره وإنما نعتمد على قراءتنا وفهمنا فإن الأفهام تختلف والإدراكات تختلف
وبالتالي يكثر الاختلاف في هذه الأمور المهمة. Donc le cheikh il explique que de même qu'on ne doit pas apprendre notre aqida uniquement dans les livres et uniquement par la lecture, hein, et uniquement par la lecture et le fait de regarder et de feuilleter les livres. C'est pas comme ça qu'on apprend notre aqida. Il y a des gens comme ça. Ils ne font que prendre des livres seulement. Et par la suite, même des fois, Allah al-Musta'an, après avoir lu dans certains livres, ils pensent que ça suffit et ils se mettent même à critiquer des ulama ou à essayer de répondre aux ulama. Allah al-Musta'an. Et donc, tu les vois, ces jeunes, qui n'ont pas de base et qui disputent sur les questions de croyance et de religion. Hein? Et ça, le cheikh, il dit que ça, c'est grave, une grave erreur. Ces gens-là qui se basent, le cheikh, il dit, premièrement, il ne faut pas se baser sur les livres seulement, ou sur la lecture des livres. Hein? On ne prend pas les questions de aqida à la base en partant des livres, ni de nos lectures, des choses de ce genre. Ça, c'est un moyen de comprendre et d'apprendre la aqida, mais ce n'est pas la base. C'est-à-dire que notre aqida, à la base, elle doit être prise des ulama eux-mêmes, puisque c'est eux qui la transmettent. Elle s'apprend par transmission et non pas par des livres ou la lecture qu'on en fait. Donc, le cheikh explique qu'elle se prend des hommes de science, des hommes qui ont un bon jugement, hein, qui ont une compréhension de cette aqida et qui ont su comment juger entre les différentes questions. Hein, lorsqu'il y a des points qui sont compliqués ou moins clairs, ils savent la position à prendre dans ces différentes questions-là parce qu'ils les ont maîtrisées, ces questions-là. Donc, ils maîtrisent les domaines de la croyance et les domaines de la religion. Et c'est pour cette raison-là que c'est à eux qu'on doit retourner pour les comprendre. Hein? Et le cheikh, il dit, et c'est ça l'obligation de la nasiha, de la sincérité et du bon conseil. Il dit, en ce qui concerne qu'est-ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, des nombreuses questions que les gens posent autour de la croyance et de l'importance des croyances de la part des gens qui n'ont même pas étudié la aqida. Ils n'ont même pas étudié la aqida du début à la fin. Ils font juste poser des questions sur ça, hein, des fois pour faire des débats ou des disputes ou des discussions. Hein, et ils parlent, donc des gens qui n'ont pas étudié auparavant la aqida, ou bien des gens qui parlent dans la aqida ou des questions de aqida avec ignorance, ou en se basant uniquement sur leur lecture personnelle ou sur leur compréhension personnelle. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font qu'augmenter la confusion et ils ne font qu'augmenter les problèmes aux problèmes. Ils rajoutent des problèmes, en fait, dans les choses qui sont déjà confuses dans leur esprit. Et c'est comme si les efforts que les ulama font pour clarifier, eux, ils sont en train de les défaire, ces efforts-là. Et ils ramènent de la divergence là où il n'y a pas de divergence parfois. Encore, c'est encore pire. Et si on ramène les choses à notre propre compréhension personnelle sans prendre la science des origines et des références, des sources elles-mêmes, hein, puis qu'on se base uniquement sur notre lecture à nous, notre lecture personnelle, comme on dit, et notre compréhension personnelle, hein, eh bien, il faut comprendre que la compréhension d'une personne à l'autre, elle diffère. Donc, si on va se baser juste sur la compréhension qu'on a, et notre compréhension qu'on a des choses, et donc, c'est normal qu'il va y avoir encore plus de divisions et de divergences dans ces questions qui sont importantes. Le cheikh, il dit, « Wa dinuna ja'ana bil ijtima' wa l'itilaf wa adam al furqa » والموالاة لأهل الإيمان والمعاداة للكفار فهذا لا يتم إلا بتلقي أمور الدين من مصادرها ومن علمائها الذين حملوها عن من قبلهم وتدارسوها بالسند وبلغوها لمن بعدهم وهذا هو طريق العلم الصحيح في العقيدة وفي غيرها ولكن العقيدة أهم
لأنها الأساس ولأن الاختلاف فيها مجال للضلال ومجال للفرقة بين المسلمين والكفر والردة يحصلان بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. Donc le cheikh il continue à expliquer. Il dit notre religion c'est une religion de l'unité, hein, du rassemblement, d'être unis et de se rassembler entre nous sur la vérité et de ne pas se diviser. Donc le fait de se diviser dans la religion et de diverger sur les questions de la croyance, c'est interdit. On l'a expliqué au dernier cours, dans les derniers cours qu'on a fait. Et c'est une religion qui nous appelle à nous unir et à nous aimer, hein, que les hommes de la, les gens de la foi s'aiment entre eux et que ils détestent les gens de la mécréance, les gens qui rejettent la foi. Et ça, c'est pas possible de le faire et de le respecter, excepté si on prend notre religion de ses sources et de ses références, hein, et des ulama qui ont transporté cette science avant eux et qui l'ont étudiée avec la chaîne de transmission, hein, de génération après génération. Ils se sont transmis cette croyance de génération après génération, hein, depuis l'époque des Sahaba jusqu'aux Tabi'in, aux Tabi'i Tabi'in, et de génération en génération, ils se sont transmis cette croyance islamique, hein, jusqu'à nos jours aujourd'hui. Donc c'est pas juste de dire, hein, moi j'ai lu dans des livres. Non, il faut que cette compréhension qui vient avec les livres, elle soit aussi parvenue par l'explication des ulama. C'est pas juste, parce que les livres, c'est pas suffisant. Dans les livres, il y a des choses qui sont pas mentionnées des fois, hein, et que les ulama, eux, ont compris parce qu'ils ont une connaissance, une compréhension globale de cette religion-là, qu'ils ont appris des ulama chez qui ils ont étudié. Et cette compréhension-là, tu peux pas l'avoir juste en lisant le livre. Il faut retourner au ulama pour l'avoir. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui sont tombés dans des égarements et dans des erreurs au sujet de la croyance et au sujet de l'islam en général, parce qu'ils se basent juste sur les livres sans retourner aux savants de l'islam. Donc le cheikh dit que ces savants, ils se sont transmis cette religion, cette compréhension de génération en génération avec la chaîne de transmission, et ils l'ont transmise à ceux qui sont venus après eux. Et donc ça, c'est la voie correcte pour obtenir la science. C'est ça la voie pour obtenir la science. Dans la croyance, dans l'aqida et dans le reste de la religion également. Parce que c'est le plus important dans l'islam. C'est l'aqida, c'est la croyance, c'est la base. C'est ça qui est le plus important. Donc c'est pour ça qu'il faut faire encore plus attention à notre aqida qu'au reste encore de la religion. Même si toute la religion en entier, elle est importante, mais la religion et la aqida est plus importante encore que le reste, parce que c'est le fondement, hein. Et il dit le cheikh que le fait de diverger dans la aqida, ça ouvre une porte à l'égarement, ça ouvre une porte à la division entre les musulmans, et ça ouvre une porte donc même à tomber dans la mécréance. C'est dangereux. Et le cheikh explique, pour répondre à la question qui lui a été posée au sujet de la mécréance, est-ce que ça se produit juste avec la aqid, l'i'tiqad ou al-juhud, ou bien comme il pose dans la question at-takdhib, ou bien c'est plus général que ça, la mécréance? Et le cheikh il répond, il dit wal-kufr wal-riddah يحصلان بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم فإنه بذلك يكون مرتدا ويكون كافرا ونحن نحكم عليه بما يظهر منه من قوله أو فعله ونحكم عليه بذلك لأنه ليس لنا إلا الحكم بالظاهر أما أمور القلوب فإنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فمن نطق بالكفر أو فعل الكفر حكمنا عليه بموجب قوله وبموجب نطقه وبموجب فعله
إذا كان ما فعله أو ما نطق به من أمور الردة. Donc le cheikh, pour répondre à la question, il résume, il explique, il dit que la mécréance, le kufr et l'apostasie, le fait de quitter l'islam, ça peut se produire par le fait de commettre un acte qui vient annuler l'islam de quelqu'un. Et on sait que il y a nombreuses paroles, nombreuses actions, nombreuses croyances qui peuvent annuler l'islam d'une personne. Lorsque ce qu'il dit ou ce qu'il fait ou ce qu'il croit vient en opposition avec les fondements de l'islam. Ok? Et donc, il y a un livre qui a été écrit par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et par d'autres parmi les ulama également, qu'on appelle, hein, qui s'appelle Nawaqid al-Islam. Le frère va faire l'adhan, on va continuer après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non, donc, comme on disait, le Cheikh il explique que si tu commets un acte parmi les actes, ou parmi les paroles, ou parmi les croyances qui fait que ton islam va être annulé, donc dans ce cas-là, hein, t'as fait qu'est-ce qu'on appelle un naqid parmi les nawaqid de l'islam. On va expliquer, on va mentionner justement, écrire le terme. Juste un instant, je le remets tout de suite après. Ok, nawaqid l'islam. Naqid, c'est le singulier. Nawaqid, c'est le pluriel. D'accord? Donc quand on dit naqid, ça veut dire quelque chose qui vient annuler, qui détruit. Donc c'est les choses qui détruisent l'islam. Et on dit aussi naqid al-wudu. Naqid al-wudu, c'est-à-dire qu'est-ce qui annule ton wudu. C'est-à-dire que quand tu l'as, tu dois refaire ton wudu. Donc, si quelqu'un, par exemple, a fait son wudu, puis qu'après qu'il a fait son wudu, hein, après, une heure après, il va uriner. Ça, c'est quelque chose qui annule son wudu. Est-ce qu'il peut prier après? Non, il doit refaire son wudu. C'est la même chose pour quelqu'un qui a dit « La ilaha illallah ». Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et Muhammad Rasulullah, hein, Muhammad le messager d'Allah. Après, il est allé adorer autre que Allah. Il a fait le shirk. Ou bien il a renié quelque chose qui fait partie des fondements de l'islam. Est-ce que on peut dire que son islam, il est encore valable? Non, puisqu'il a fait quelque chose qui fait partie des nawaqid de l'islam, qui vient annuler son islam. Donc, il y en a plusieurs, comme le cheikh il dit, que les hommes de science, ils ont mentionné qu'est-ce qui fait annuler l'islam de quelqu'un. Que si tu le fais, ou si tu le crois, ou si tu le dis, des paroles, ou des actions, ou des croyances, que si tu les as en toi, ça va faire en sorte que tu deviens un apostat, un murtad, quelqu'un qui a abandonné l'islam, qui a quitté l'islam, et tu deviens un kafir, un mécréant dans ce cas-là. Comme le shirk. Si quelqu'un commet le shirk, après avoir dit la ilaha illallah, il sera un mécréant, devient un apostat. Naam. Ben, si quelqu'un a commis ça, comme un acte de shirk ou de kufr, le fait de se repentir, ça suffit pour, ça suffit pour redevenir musulman. Et la repentance du shirk, ça consiste à réaffirmer notre foi en notre tawhid. Comme par exemple, si quelqu'un a fait le shirk pour revenir à l'islam, il doit cesser d'adorer d'autres que Allah et dire la ilaha illallah. Tu vois, réaffirmer son témoignage et son shahada. La ilaha illallah. Non, il doit la reprononcer, mais pas juste la reprononcer comme il le faisait auparavant. Parce que l'affaire, le problème, c'est quoi? C'est que il prononçait peut-être la ilaha illallah, comme aujourd'hui beaucoup de gens qui adorent les tombes ou qui adorent les saints. Ils disent la ilaha illallah, mais ils adorent quand même des morts. Et ils les prient, ils leur adressent des prières en dehors d'Allah. Et ils sacrifient des animaux pour eux. Malgré que
ils contredisent, et disons qu'ils disent la ilaha illallah, malgré tout ils font du shirk, tu vois, ça c'est par ignorance. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Les ulama ils ont expliqué que si c'est fait par ignorance, en fait ils ont divisé les catégories d'ignorance, parce que tous les kuffars sont des ignorants de toute façon à la base, c'est basé sur le kuffar et le shirk, sont basés sur l'ignorance, sauf que tu vois, sauf qu'il y a des ignorants qui sont ignorants volontairement parce qu'ils font, ils ont tous les moyens d'avoir la connaissance mais ils n'ont pas fait l'effort. Ils connaissent la langue arabe, ils récitent le Coran régulièrement, et les preuves de l'unicité d'Allah et du Tawhid sont mentionnées dans le Coran clairement. Et il y a les hadiths qui mentionnent qu'on ne doit rien associer avec Allah, qu'on ne doit rien adorer avec Allah. Ils les relisent régulièrement et clairement, ils le savent. Il y en a même que ce sont parmi eux des médecins, des docteurs en sciences islamiques. Ils savent qu'est-ce qui est shirk et qu'est-ce qui est pas shirk, mais ils s'obstinent à continuer à suivre leur passion et à adorer d'autres avec Allah. Donc, ceux-là ne sont pas excusés. Mais celui qui est excusé, c'est celui qui, par exemple, vit dans un pays loin, ou bien dans quelque part où il est dans la brousse, ou dans le désert, il est loin de la connaissance, coupé de la science, il n'y a personne là où il est qui connaît quoi que ce soit de l'explication du Coran, ou connaît l'arabe, ou des choses de ce genre, et que ces gens-là, ils ont grandi sur quelque chose, ils pensaient que c'était l'islam, mais ils n'ont pas su que c'était le shirk. Ceux-là, peut-être qu'ils sont excusés, mais celui qui vit dans la ville, qui connaît les librairies, les livres, qui connaît la langue arabe, qui connaît le Coran, qui connaît la sunna, qui ont accès aux livres d'Aqida, qui ont accès aux ulama, et qui peuvent poser des questions, mais qui n'ont jamais fait l'effort de le faire, ceux-là ne sont pas excusés dans leur ignorance. Mm-hmm. C'est comme... Naam. Regarde, je te donne l'exemple. Si quelqu'un, par exemple, il savait pas que uriner, ça annule son wudu. Mais cette personne-là, et savait pas que uriner ça annule son wudu, il a fait la prière. Mais c'est quelqu'un qui vit, il y a les livres, il y a les audios, il y a les cours, il y a tout autour de lui qui pourra apprendre comment faire le wudu et qu'est-ce qui annule le wudu. Mais il a jamais essayé de faire l'effort de savoir. Il n'est pas excusé dans son ignorance de pas savoir que le wudu, que le fait d'uriner ça annule son wudu. D'accord? Donc s'il a prié sans wudu, par la suite sa prière sera pas valable. Tu vois? Mais si quelqu'un, il a une excuse pour dire qu'il ne savait pas, quelqu'un qui vient de se convertir à l'islam, et il n'a pas encore vraiment connaissance de la religion comme il faut, il a fait sa prière, il est allé uriner, il a fait sa prière après, il ne savait pas que le fait d'uriner, ça annule ton wudu. Celui-là, il peut être excusé parce qu'il est tout nouveau dans la religion. Il vient de commencer à apprendre l'islam. Donc c'est possible qu'il ignore ce genre de choses-là. Et après qu'on lui explique, il cesse de le faire. Mais celui, comme dans un pays musulman, il pratique des actes de shirk, et que tu lui expliques que ça c'est shirk, il ne le savait pas, il cesse de le faire, il renouvelle son tawhid, il est toujours musulman, il va rester dans l'islam. Mais s'il persiste à adorer les morts, et à prier aux morts et aux tombes, il ne va pas être considéré comme étant un musulman par la suite. Dans des situations comme ça, comme dans les pays où les gens adorent les tombes, adorent les saints, puis ils pensent que c'est correct parce que tout le monde est mélangé, l'obligation pour les musulmans dans ce cas-là, c'est d'enseigner et de ceux qui ont du ilm, d'enseigner à ceux qui n'ont pas de ilm, et d'appeler les gens et de leur expliquer le tawhid pour leur faire comprendre qu'est-ce que c'est, et de les avertir contre le shirk, pour qu'ils évitent de continuer à adorer les morts et les tombes. D'accord? Ça, c'est la première obligation. Il y a des ulamas qui vont dire, ils sont excusés pour leur ignorance. Il y en a d'autres qui vont dire non, parce que s'ils connaissent l'arabe et qu'ils ont lu le Coran, la preuve est établie contre eux. Ils les considèrent comme étant des mushrikoun et des kuffars, et ils disent qu'ils doivent se repentir et qu'on doit les appeler au tawhid. Donc, de toute façon, ça revient toujours au point le plus important, c'est de dire que ces gens-là, il faut leur enseigner le tawhid et il faut les appeler à la ilaha illallah.
Yani, quand tu regardes la réalité et le contexte de la société, comment les choses sont un peu mélangées pour certains, et qu'il y en a qui n'ont pas vraiment accès à une bonne connaissance et à une bonne compréhension de la religion, yani, comme Cheikh Mohamed Aman al-Jami, lui, quand il expliquait dans ses cours, il expliquait que les gens d'aujourd'hui, il faut les excuser pour leur ignorance. Tu vois? Tandis que Cheikh Al-Fawzan, lui, il tranche plus sévèrement dans cette question-là, puis il dit que selon lui, ces gens-là, la plupart sont pas excusés, tu vois. Mais ces deux avis se valent, puisque à la fin, Allahu a'lam, mais à la fin, le résultat, c'est quand même qu'à notre époque, la priorité, c'est de faire la da'wah à ces gens-là, et de les appeler à abandonner le shirk qu'ils font. Puis le but, c'est pas nécessairement de dire, comme par exemple, de faire le takfir des gens, ou de les déclarer nécessairement comme étant des mushrikoun, mais le plus important, c'est de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui est kufr, qu'est-ce qui est shirk, pour éviter de tomber dedans, et pour que celui qui est tombé dedans puisse s'en sortir et savoir que ce qu'il faisait, c'était shirk auparavant. Donc c'est pas le point, c'est pas de savoir ces choses-là dans le but juste de pointer du doigt ou d'accuser les autres, mais de se protéger nous-mêmes premièrement contre le shirk et le kufr pour pas tomber dedans, et pour essayer d'enseigner aux autres et d'expliquer aux autres pour éviter justement qu'eux aussi tombent dedans, et que s'ils sont tombés dedans, que ce soit par ignorance ou non, comment faire pour s'en sortir en étudiant et en apprenant et en appliquant cette compréhension et cette connaissance-là. Et c'est ça le plus important, wallahu a'lam. Donc le cheikh, il dit que si quelqu'un a commis quelque chose qui a rapport avec le kufr ou le shirk majeur, hein, le cheikh, il dit, lui, on juge par l'apparence, que ce soit dans sa parole ou dans ses actions, et on juge selon ce qui est apparu de cette personne-là, parce qu'on juge uniquement par l'apparence dans l'islam. Le cœur, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'individu, nous, on ne peut pas le savoir. Et on n'essaie pas de juger les cœurs et les intentions. La seule chose qu'on utilise pour juger, c'est les paroles extérieures, les paroles que la personne prononce, qu'on entend, et les actions qu'elle fait qui sont en apparence et qui sont contraires à l'islam. On se base là-dessus pour savoir si quelqu'un est correct ou non. Les cœurs, c'est seulement Allah qui sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc si quelqu'un a prononcé une parole de kufr ou a fait un acte de kufr, alors dans ce cas-là, on va le juger selon ce qu'il nous a montré et ce qu'il a prononcé ou ce qu'il a fait, et on se base là-dessus. D'accord? Donc il dit, selon ce qu'il a montré comme action, selon ce qu'il a dit comme parole, selon ce qu'il a fait comme action, comme geste, donc on va juger par rapport à ses paroles et ses actions et ses gestes. La croyance qu'il a dans le cœur, on ne peut pas la savoir tant qu'il ne l'a pas exprimée avec ses paroles. Et en fait, on peut dire que les actions et les paroles de quelqu'un, c'est ce qui exprime qu'est-ce qu'il a dans le cœur. Donc si quelqu'un adore un saint ou prie un mort, demande le secours d'un être qui est enterré, il l'appelle au secours, il l'appelle à l'aide. Hein, ça, ça indique qu'est-ce que la personne a dans le cœur comme croyance pour cet être-là, tu vois. Et ça représente une forme de shirk. Donc maintenant, si tu vois quelqu'un, par exemple, ici dans la mosquée, un jour tu rentres, t'entends quelqu'un qui, au lieu de demander l'aide d'Allah, demande l'aide d'Abdul Qadir al-Jilani ou bien d'Ahmed al-Tijani ou un autre, ben tu vas le voir puis tu lui dis, Yahri, c'est à Allah seul que tu dois invoquer, c'est pas un mort ou un saint ou un être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Donc tu ne dois pas invoquer un wali ou un saint ou un salih, tu penses qu'il peut te sauver dans un moment de détresse ou t'aider en dehors d'Allah. Hein, ça c'est shirk. Et donc d'expliquer ces choses-là à la personne qui a tombé dans ce genre de péché-là, ça c'est fondamental. Et si tu vois que la personne, elle ne savait pas et que tu lui expliques puis elle accepte, Alhamdulillah, tu lui dis, tu dois clarifier, tu dois comprendre ton tawhid, tu dois comprendre que la ilaha illallah, ça signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que le fait d'invoquer quelqu'un d'autre que Allah, ça vient annuler ça.
Hein? Et si la personne, tu vois qu'elle accepte, alhamdoulilah, si tu vois que la personne commence à argumenter avec des shubuhat, et qu'elle commence à essayer de défendre le shirk, que non, ça c'est pas grave, ça c'est une shafa'a, ça c'est ci, ça c'est ça, elle ramène des ayat, mutashabihat, pour essayer de supporter qu'est-ce qu'elle dit, ou bien elle ramène des ahadith qui sont maudou'a, ou des choses comme ça, pour essayer de débattre. Là, tu vois que c'est une personne qui défend sa passion et qui est accrochée au shirk, qui a des shubuhat, des mushrikin. Et c'est pour ça que, par exemple, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a écrit son livre Kashf al-Shubuhat pour clarifier justement aux gens qui ont des shubuhat et des erreurs dans leur compréhension et qui ont accepté certaines formes de shirk à cause de ces shubuhat pour les libérer de ces shubuhat-là. Donc il a écrit ce livre et ça répond à beaucoup d'entre eux, les ambiguïtés à ce sujet-là. Yani, wallahu a'lam. Yani, c'est possible que certains d'entre eux ne font pas la salat, mais il y en a parmi eux qui le font, qui font la salat, même qu'il y en a parmi eux qui ne font pas seulement la salat. Il y en a qui font le hajj, il y en a parmi eux qui font le hajj, il y en a parmi eux qui font, il y en a qui payent la zakat, il y en a qui font le jeûne du ramadan. Donc il y en a, c'est vrai, qui ne pratiquent pas l'islam puis qui font ces choses-là, mais il y en a parmi eux qui pratiquent l'islam réellement, qui pratiquent, disons, des aspects de l'islam, mais qui ont, en apparence, mais qui ont négligé la base, c'est-à-dire le tawhid. Et c'est pour cette raison-là que c'est important à notre époque d'expliquer. Parfois ils le savent, mais des fois ils le savent pas. Parfois il y en a parmi eux, ils sont convaincus que ce qu'ils font c'est en accord avec l'islam. Parce qu'il y en a même parmi eux qui sont tellement égarés, et je vous dis, même à Montréal ici, il y a des mosquées où on enseigne aux gens, dans ces mosquées-là, que d'invoquer les morts, c'est en accord avec l'islam. Hein? Il y a des endroits ici à Montréal, vous allez trouver des gens qui enseignent que d'invoquer les morts et d'appeler les morts, ça fait partie de l'islam, et qui combattent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux à ce sujet-là, et qui les accusent de toutes sortes de fausses accusations. Hein? Et donc c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas penser que ce sont des gens nécessairement qui ne pratiquent pas l'islam. Il peut y en avoir parmi eux qui, au contraire, pratiquent l'islam, qui connaissent beaucoup de connaissances même sur le fiqh, et sur le hadith et sur d'autres sciences islamiques, et malgré tout qui appellent au shirk et qui appellent à l'adoration des tombes et des morts et qui pensent que ces choses-là sont acceptées en islam et qui écrivent même des livres sur ça. Ils vont pour ça, mais Allahu alam, c'est Allah qui connaît l'intention qu'ils ont dans le cœur. Mais l'important pour nous, c'est juste d'être au courant de ça, de faire attention. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre notre religion, d'apprendre notre tawhid, d'apprendre qu'est-ce qui annule notre islam aussi, pour que justement on reste dans l'islam, hein, et qu'on évite justement de commettre un acte ou de dire une parole qui va nous faire sortir de l'islam sans même qu'on sache. Il y a des gens, même il y a des musulmans aujourd'hui, dans leur vie de tous les jours, ils prononcent des paroles de kufr en parlant comme ça dans la journée, ils savent même pas que c'est des paroles de kufr. Hein? Ils disent des choses qui opposent le tawhid ou qui opposent la aqida, ils le savent même pas. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître notre aqida pour éviter justement ce genre de choses-là. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.